Mélodie. Grâce à la boîte à musique de sa chambre d'hôpital, Ruka s'est remémoré sa vie passée avec sa mère Sayaka et son père Suya. Mais le visage de son père ne lui était pas revenu en mémoire. Son père lui avait apporté un masque de Kanade que lui avait ensuite mis l'auteur de son rapt. L'auteur du rapt, c'est le fils du directeur de l'hôpital. Dans son journal, Sayaka avait soupçonné Suya d'aider à l'organisation d'un rituel secret impliquant les petites filles. Ruka savait enfin la cause de son départ de l'île. Pourtant, dans le sous-sol de l'hôpital, où elle avait été séquestrée, elle ressentait un étrange parfum de nostalgie. C'est mystérieux. Surtout qu'on aurait dit que c'est le flic en fait. Ruka Minazuki. Phase numéro 9. Quelqu'un m'a amené ici, je ne sais où, par un chemin obscur. Alors, voyons un petit peu où on en est. Parce qu'en gros, il nous reste 4 chapitres. Il nous reste 22, 23, 24, 24 poupées à trouver. Ça, je kifferais les avoir. Pour avoir potentiellement une fin différente. On a du film 90, et ça, c'est cool. Alors on peut relancer les paris si vous voulez, chapitre 9, début de chapitre 9. Est-ce que la boutique nous permet d'acheter des filtres 90? Si vous voulez faire des paris, on peut. En gros, le filtre 90 pour l'instant dans le jeu, c'est le filtre le plus balèze. Après, il y a de la place pour un filtre 0. Hein. Là, on le voit pas là, mais il est possible que derrière ça, il y a encore une meilleure pellicule. Ah d'ailleurs, il y a des stats dessus. Élevé, rapide. Puissance, moyenne, normale. Faible, long, ouais. Bah là, c'est très faible, c'est de la merde. ouais, on peut faire du pari si vous voulez. Vous savez, on peut parier des points de chaîne, si ça vous intéresse. Hein. Après, faut qu'il y ait au moins deux personnes qui soient prêtes à prendre les paris opposés. À savoir, est-ce que si je vais à la sauvegarde, on peut acheter des films 90, là, comme ça. C'est vous qui voyez. Bah là on va attendre, hein. On va se mettre la puissance au max. Ah bah attendez. Non, j'avais cru que... J'avais cru qu'elle partageait son appareil, j'ai eu peur. Non, non. C'est pas les mêmes stats. On verra quand on atteindra la prochaine sauvegarde.
Merde, 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 merde. Bonsoir Monsieur J, comment ça va? Et non, on se couche pas ce soir, on finit le jeu. On a 4 chapitres à faire. Donc là, normalement, avec elle, il faudrait qu'on avance en fait dans les souterrains. Ouais, ça va, ça va. Il faudrait qu'on avance dans les souterrains. Après, en vrai. On peut checker un petit peu, mais normalement j'ai rien à faire dans le reste de des pièces. Ce qu'on peut faire, c'est voir déjà si on a le droit de remonter. Oui. Avec Ruka, on a dû faire tous les étages de l'hôpital, je crois. C'est Misaki qui a pas pu. Enfin, qui a pas pu. Qui a pas pu utiliser l'ascenseur, en tout cas. Ah, on peut pas revenir par là. Par contre, on peut revenir par l'ascenseur. Ils ont opté pour du creepy. Ouais, c'est effet décoration, effet grotte. Le creepy, tu vois, ils l'ont juste placé sur des cordes là. C'est un peu particulier. Je crois que quelqu'un m'a déjà conduite ici, en plus, en plus loin, et plus loin quoi. Ouais. Donc là, on va voir une autre facette de la grotte, justement. Du coup, est-ce qu'il voulait faire des paris? Je suis pas sûr que les gens soient chauds. À savoir, est-ce qu'on va pouvoir acheter dans la boutique des films 90? Sinon, j'attends le prochain chapitre pour qu'on fasse des paris, mais parce qu'on est peut-être pas assez nombreux. Et motivé. Ouais, c'est sûr qu'on n'entend pas trop le bois de travail dans la grotte. Ouais, on attendra peut-être plus tard. Parce que je suis pas sûr que les gens soient... On découvrira après. Quoique, il faut que j'y aille à la boutique, donc... Ah, je le ferai pour le prochain chapitre, c'est pas grave. On peut toujours pas. Ils vont pas me donner accès à cette connerie. Hein. J'ai quelques trucs quand même pour être sécure, parce que le jeu il peut être énervé. C'est intéressant parce que dans celui-là, en général, dans Projet Zéro, l'accès à la boutique c'est vraiment un gros bonus. Hein, si t'es dans la merde et que t'as gâché tous tes films. Là, par contre, même en jouant normalement, en connaissant le jeu, ouais, vas-y. T'as l'impression qu'il y a un non-retour là.
C'est vrai qu'avec Ruka, je suis pas allé au troisième étage du manoir. J'aurais pu y aller. Mais après, c'est surtout les poupées qui m'intéressent. Principalement. Et je les ai déjà ramassées. Donc, bon. Oula! Attends. Bonjour. Attends, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle n'a rien vu. Ah oui! Ça sent quand même les combats là. Ah mais Ruka n'a pas le carillon. Attendez. Bah oui. Ruka n'a pas le carillon. Ou ça lui débloque. Alors, attendez. Cadrage fatal. Esquive. Bon, enfin, l'esquive, c'est chaud. Hein. Ah si, le carillon est débloqué. Ok, ça c'est cool. Ils ont pas été trop méchants là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ces embrouilles hein? Oh le labyrinthe. Alors est-ce que c'est là qu'il y a la cérémonie? On est pas sûr. Je sens que ça va être... Ça va prendre un peu de temps là à explorer tout ça. Mais... Putain, on s'est flashé la gueule. Des cristaux bleus. Oui. À la 20 cristaux bleus, c'est beaucoup. Hein. Voilà, puissance max. Ah, j'aurais bien voulu mettre un coup de vitesse. Attends, un peu. Alors, c'est quoi que j'ai d'équipé? Donc on a lentille de force,
Ok. Ah. Alors attends, est-ce que ça c'est la suite? Parce que du coup, j'ai l'impression. Attends, je vais remonter avant parce que j'ai peur d'oublier des trucs en fait. Parce que c'est le genre de jeu où il y a des carottes scénaristiques. Il peut y avoir des carottes scénaristiques. Je vais juste explorer le reste de la grotte. Là, je pense qu'il n'y avait rien. Il y avait un autre passage par là. Testament d'un pêcheur. Cette femme arrive. Il ne faut pas la regarder. Nous allons tous éclore cette femme, cette femme, cette femme, cette femme. Nous sommes venus nous cacher ici. Cette femme arrive. Visage, visage, visage. Son visage est brouillé. 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 Un grand poème. T'imagines ton testament, c'est écrit ça dessus. Personne comprend. Ah mais ils se sont tous fait choper dans des coins là. Ça c'est un ennemi par contre. Vingt-deux mille. Bla 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 bla. Ça tire là. Ça tire à vue. Avec la puissance que maintenant qu'on a, ça va faire mal. Hein. En plus, on peut activer une lentille de puissance. Ça peut vraiment faire des trucs complètement chifous. J'espère juste que pour l'histoire des poupées, il n'y a pas besoin de faire un new game plus pour toutes les avoir. J'espère, sincèrement. Parce que là, tout est possible, hein. Par contre, je me demande vraiment s'il y a un nouveau bâtiment qu'on n'a pas vu. Oh merde! Quoi? Zéro? Ah merde! Ah merde! Je m'y attendais pas.
Quoi? Elle est arrivée devant moi? Non. Plaisante le jeu. Elle est où? Elle est au-dessus de moi? Ok. Et où Serpent? Allez, je vais me faire choper là. Comme une merde. Et j'ai claqué un film 90, bon c'est pas grave, on m'en donne, donc ça va. Ça aurait pu être pire. Ah, j'ai cru que c'était quelqu'un qui était là, qui attendait. Ah, t'as pas raté grand chose, on a juste lancé le chapitre. L'île de Rogetsu. Abandonne. Enfin, abonde, pardon. D'Ostriums. Pendant 100 nuits, la prêtresse suivra une formation au souterrain lunaire, là où les Utsuwa précédents traitèrent avec les esprits. C'est les lieux de formation de la prêtresse qui sera à l'origine du miracle. Confinée dans un tunnel sombre, elle oubliera le monde entier tout en se préservant. Après avoir affronté la mort et le néant, elle renaîtra à nouveau dans ce monde. Telle est la formation des Ostrium, enfin des Ostium, pardon, de Rugetsu. Ah ouais, hier j'étais pas du tout en forme hier. C'est easy. La formation permet de donner naissance à un miracle par le courage et la diligence. Seule une personne digne d'une prêtresse de la lune réussira la formation. Bon, maintenant ça one shot. Hein. J'ai juste augmenté au max l'appareil. En tout cas en puissance pure et dure. Mais il y a un objet là. L'autre elle m'a empêché là. Elle m'a fait courir là. Mais elle m'a empêché de prendre l'objet. Bah, la bonne nouvelle, hein, Serpent, c'est que. Apparemment, je garde les fonctionnalités de ce que j'ai ramassé avec Misaki. Dans le chapitre d'avant. Donc du coup j'ai le carillon. Quand on est près des... Ça sonne quand on est près d'une poupée. Je sais pas, j'essaie de pas aller au centre. Mais il y a des trous là. What? C'est bon, j'ai le droit de prendre l'objet? Yes. On va pouvoir mettre un en vitesse. Mais maximale drainée. Je pense qu'on va mettre un partout. On va pas trop s'emmerder. Ouais, du coup j'ai chopé une nouvelle poupée. Bon, je l'avais vu hein, dans les souterrains. Non, on peut pas sauter. À mon avis, on va descendre les étages au fur et à mesure. Bon, là ce soir. Le but c'est de finir le jeu. On n'arrête pas le stream tant qu'on n'a pas fini le jeu. Voilà, ça c'est dit. Ah, y a des chemins dans tous les sens, c'est le bordel. J'ai des doutes en fait.
Ah non, c'est un ennemi, merde. Je me suis dit, elle va parler. Attends, mais elle m'empêche de... Il y avait un bug. Ça pique. Ouais, des cristaux bleus, ouais. Ah, on en a eu, on en a eu, on en a eu. Alors... C'est vrai que cristaux bleus, on était un petit peu accro là-dessus. Faudra attendre, ouais, 25 déjà pour celui-là. Enfin, je pense que je vais économiser maintenant les rouges. Ouais, mais bon. 25 pour le... Je les mets pas à fond parce que... Je me dis qu'il peut y avoir une lentille ultime à la fin du jeu. Genre la lentille double zéro. Ouais. Normalement, tu vois, je lui mets 2000. Mais en fait, je lui ai mis 22 000. Oh non! Ah, je suis pas d'accord. Mais des petits coups de pression comme ça là. Attendez, on va essayer de. Ça a l'air d'être la suite par ici. Je vais essayer de voir là le cul-de-sac ou l'autre passage. Il y a eu autre chose derrière, j'ai l'impression. Par ici, non. Attends, c'était là. Pourquoi il dit qu'il y a un objet? Note laissée par un insulaire. Ce n'est pas un simple visage, ce visage n'est pas de ce monde. Ce visage est à l'origine du désastre qui a ravagé l'île. C'est le jour sans souffrance, tout le monde passe de vie à trépas. Il ne faut pas regarder ce visage, il ne faut surtout pas regarder. Merde. Attendez, parce que j'ai un doute là. Partie qu'on n'a pas fouillé par là, non. Attends. Ouais, en même temps, c'était bloqué, non. Le bordel. Tu le sens que ça va être le bordel? Bon, ça va encore, mais... Non, je pense que ça, c'est la partie supérieure, en fait. Donc, ouais, il y a juste ce cul-de-sac qu'on n'a pas fouillé. Ce qui m'étonne, c'est que c'est toujours en place alors qu'il y a une rivière souterraine. Le truc qui s'effrite pas, quoi. Yo Charlie. Ouais, on va essayer de finir. Quoi? C'est en hauteur ou. On va essayer de finir le jeu ce soir. Enfin, non, on va pas essayer, on va le finir. Ça, c'est sûr. Par contre, je sais pas combien de temps ça va prendre. Bah alors? Il y a un truc ici, je le sais. J'ai pas assez de recul, je pense. Ou c'est derrière? Ah, c'est peut-être derrière. Sympathique!
préférée, celle-là. Ouais, ça c'est sûr qu'on est motivé. Ah bah, la lentille zéro, voilà. Allez. La lentille zéro. Toi-même, tu sais. Ah, attendez. C'est laquelle? Parce que j'en ai chopé une la dernière fois, mais c'était bizarre. Ok. Donc ça, c'est le niveau supérieur, quelque part. Il faudrait améliorer. Venez mourir la dernière fois. Ouais, non, il faudrait qu'il me donne des cristaux rouges, là. Ce serait bien. Je suis en manque de cristaux rouges, maintenant. Par contre, l'endroit, c'est un tombeau, hein. Il y a plein de passages qui ont été bloqués, hein. Ah ouais, il suffit de demander. Je crois que j'ai assez pour mettre un dedans. Ah, le truc, c'est que c'est pas le meilleur. Hein. C'est écrit de toute façon. Que c'est pas le meilleur. C'est dommage qu'on puisse pas reprendre les cristaux. C'est pas le meilleur. Mais il fait mal. Appréciation du Kagura. J'ai grandement apprécié le Kagura de Rugetsu en compagnie des prêtresses Tsukimori et ai pu enfin tester la caméra obscura. Ah, ça doit être Asu, ça, non? Le Kagura de Rugetsu est un événement imposant qui se déroule au cœur même du visage. Calme au premier abord, la danse se déchaîne peu à peu jusqu'à atteindre un point culminant où l'ivresse et l'excitation amènent certains à perdre confiance. Pendant le Kagura, une étrange maladie appelée marche lunaire apparaît. Cette maladie ferait suite à la possession du corps par un esprit malin. Lors de la danse, les âmes de certains participants quittent leur corps et laissent place aux esprits. Les âmes ne reviennent-elles pas ou reviennent-elles changées? Super. Les prêtresses Tsukimori sont facilement possédées. Elles suivent une préparation avant le Kagura. Ce que j'entends sur la tradition des prêtresses Tsukimori est vraiment très intéressant. Ces prêtresses pourraient percevoir les chants des gens ainsi que les esprits. Ces chants sont appelés chants lunaires et varieraient selon les individus. Le chant lunaire d'une personne représenterait la nature, la personnalité de celle-ci. Si une personne est en colère, son chant lunaire s'élèverait et si elle est perdue ou désolée, celui-ci s'affaiblirait. La mélodie resterait malgré tout la même. Cependant, la marche lunaire perturberait le champ lunaire et pourrait l'amener à se briser. Peut-être pour ça qu'il y a eu un qui s'est mal passé. Cette superstition décrivant les humains comme des masses sonores est fascinante. Par ailleurs, les prêtresses Tsukimori ont pour rôle de jouer clairement et justement le champ lunaire selon la situation. Selon la tradition, le champ lunaire est utilisé pour guérir diverses maladies. Il n'est pas rare de traiter un mal par la prière, mais le traiter par la musique est très régulier. Est très singulier, pardon. Les prêtresses auraient perçu mon chant, et il serait apparemment très agréable. Bien qu'elles disent parfois des choses étranges,
toutes les prêtresses Tsukimori sont modernes, cultivées, douces et belles. J'espère les rencontrer à nouveau quand je reviendrai. C'est un piège! N'y va pas! N'y reviens pas. Y'a rien derrière l'hôtel, non? Je suis étonné. Ah, ça ressemble à la porte avec laquelle on était bloqué avec Misaki, j'ai l'impression. Ah non! Attendez. Nouveau bâtiment. C'est peut-être l'endroit où justement ils préparaient les prêtresses. T'as comme ça 20 cristaux rouges. Comme ça. Alors qu'on galère dans le jeu. Pour en avoir. Bon. Et bon, on sera prêt. Là, on est quand même parti en mission pour sauver Misaki. Ça va pas être évident. Hein. Ah, ou pas. C'est peut-être pas un nouveau bâtiment. En tout cas, les mecs, ils ont fait une construction sous la terre, tout va bien. C'est marrant parce que dans cet épisode-là, en particulier, il y a des vraiment des ambiances très Silent Hill. Genre les escaliers interminables, les sentiments d'oppression avec la musique. Consigne pour le Kagura. Le Kagura de Rogetsu aura lieu cette nuit au sanctuaire de l'éclipse lunaire. Nous vous prions de rejoindre les lieux avant 22h. Lors du Kagura, les portes du sanctuaire seront fermées. Les allées et venues ne seront pas autorisées. Vers minuit, nous vous prierons de vous lever de vos sièges pour célébrer l'éclipse lunaire. Nous vous inviterons également à porter le masque qui vous aura été donné au sanctuaire de la conscience. Et ce pour toute la durée du spectacle. Qu'est-ce que c'est que cette structure de ouf là sous la terre là? J'ai entendu bruit de l'autre côté de la porte. J'ai déjà entendu ce bruit. C'est une cérémonie. Bizarrement, j'ai pas envie d'y aller. Ouais, on aurait dit une espèce de temple.
Ah, mais c'est de l'autre côté. Je vais pas pouvoir. Ouais, c'est de l'autre côté. Elle peut pas déplacer la barre. En même temps, ce genre de barre en bois, faut être 3 pour la déplacer. On devrait entendre le bois travailler. Ouais. En plus, c'est sous la terre, tu vois, c'est chelou. L'entretien, ça va être difficile. Hein. Ah, on est au-dessus. Attends. Oh! Il vient de ressortir. Ce reste la scène du Kagura. J'avoue. Quelqu'un là-bas? Ah, il filmait l'événement. Passer là-dessous? Sous les gradins? Ok. Juste monter dans la langue pour voir s'il n'y a pas un carillon. Non. Merde! C'est chaud, hein, 6 contre 1. Merde! Merde!
Non! Ah, vous allez vous calmer. Vous allez vous calmer. Tout de suite. Attends, déjà, il y en a une qui va se prendre un coup de force. Faut que je puisse viser là. Merde. La vache. Putain, je me suis enchaîné. C'est pas évident en fait. Ah, je suis passé à 1 million de points. Je viens de voir. Je peux enchaîner. Putain. Ah, ça m'arrange pas de viser, putain. En fait, le lock il m'arrange pas du tout. Trente-cinq mille ans. Putain, mais cassez-vous là les qu'à gagner là. Putain, je dois aller battre aussi. Ça suffit pas de battre le boss. Bah elles sont moins fortes. J'ai pas besoin d'utiliser du 90 mais. Le problème c'est que bah, elles sont plusieurs. Et casse TP. Non! Putain, merde! Putain. Mais non, mais j'ai appuyé! Putain, ta race! Oh là 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 là! Elles m'ont mis la misère! Qu'est-ce qu'elles m'ont mis la misère? Mais non, mais... Oh! Quoi? Mais non, mais... Oh là 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 là. Ça saute en plus. J'ai marre de me faire bolos. Quoi? Mais ta race le jeu. Eh, sans déconner. Les vieilles arnaques comme ça là.
Elles font que fuir. Mais elles font que fuir. Putain, c'est impossible. Non, c'est pas la fin du jeu, c'est juste un boss. C'est un boss normal, Duncut. Surtout qu'on est en normal. Imagine le mode hard. Ah mais là j'ai compris, c'est bon. J'ai compris. Faut être beaucoup plus agressif. T'as l'autre, je lui ai mis quand même à 35 000. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est très gênant parce que en fait, elles, même celles qui avancent, elles disparaissent et elles arrivent à tes pieds. La violence, quoi. Non, le boss final, t'inquiète, John Cut, ça sera en plusieurs phases. ça va pas se régler comme ça. Encore là, tu peux te dire qu'il y a... De toute façon, là, c'est un 6 contre 1. C'est rare, hein. C'est la première fois que je vois ça, 6 contre 1 dans le jeu. Dans la série. J'ai déjà eu un 3 contre 1. Il y a un 3 contre 1, c'est dans le deuxième épisode, je crois, où c'est la misère. Parce que c'est pareil, c'est trois petites filles mais qui n'attaquent pas de la même manière. Et en même temps. T'as qu'à pas jouer à la Wiimote. La VR sur ce jeu, je me demande s'ils avaient pas, quelqu'un qui a reproduit le premier. Une partie en VR. Car l'autre, j'ai mis un 35. Enfin, au début, j'ai mis un 25 000, elle a pas bronché. Je suis remis un 35 000, elle s'est calmée vite. Je vais plus vite, elle. Non! On va les esquiver en faisant les droites gauche. Mais oh là 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 là! Le pire c'est quand vous visez, vous appuyez, mais c'est trop tard. C'est déjà trop tard, le trigger ici en plein marché. Ah, trigger des enfers. Mais non, mais vise vers le bas! Le bas! Putain! Le problème, c'est que j'ai un lock en fait. Et elle se superpose. Oh, c'est la folie. Et le lock, il m'aide pas du tout, hein, dans ce combat. La stratégie, elle est. Elle est pas présente, hein.
Non, mais je suis un con. Je suis un con, putain, pas possible. Oh putain! En plus, je secoue. Vous me voyez pas, mais comment je secoue le bras? Ah non, mais en fait, il y en a une sur 6 qui à chaque fois t'attaque par en dessous. Enfin, une sur 5. Ce sont 5 ici. Merde. Je sais pas la stratégie si c'est de s'occuper de. Des petites avant. Que là. Deg. C'est pas mieux, hein. Quoi? Mais putain, arrêtez de m'emmerder là! Avec les téléportations là! Oh là 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 là! Mais les téléportations! Parce qu'en fait, en gros, elle tend les bras, hop, tu sais là qu'elle arrive dans le sol. Putain! On s'en emmerde parce que je vais les one-shot en fait aussi, en même temps. Et au moment que j'appuie, c'est trop tard. Parce qu'il faut attendre pour que ça charge. Bon, il va falloir qu'on trouve une stratégie. Faire de ce qui était dans ta gueule, ouais. Putain! Sans déconner! Putain! Ce jeu de l'embrouille, quoi! Mais ta race. On va recommencer, c'est pas grave. En plus, le pire, c'est que je sais que ça pourrait se régler très vite, mais je fais tellement enchaîner dans tous les sens. Après, on pourrait tuer Lutsuwa assez vite. Ça, ce serait bien. Parce que c'est elle qui fait le plus mal. Ramasse tes chicots. Ah putain, j'ai fait ramasser ses chicots par terre là. Elle s'est pris un triple flash. Hein. Alors par contre, attendez, on va pouvoir maintenant. Voilà. Super. Il est terrible ce boss, il est terrible. Il est terrible parce que j'ai beau avoir tué le Tsuba là. Ça veut pas dire que je vais gagner quoi.
Celle qui est en dessous, elle est intouchable. Elle est intouchable. Mais non, mais j'étais pas là. Ah, replay l'arbitre. J'étais pas là, elle va choper dans le dos. Aïe, 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 aïe. C'est ce que je voulais faire là. Ce que je voulais faire au début là, la triplette sur Lutsuwa. Je sais pas si c'est Lutsuwa aussi qui déclenche les filles. Parce qu'en fait elle danse sur elle-même. Mais bon. Merde, dommage. J'avais pas assez de base de puissance. Attends. Non. Non, c'est bon. Non, attends. Je sais pas s'il est énervant. Quoi ? What ? Je comprends rien. Putain, ça va bien. Quoi ? Elle est morte ? Ah ouais. Ah, j'y croyais pas. En fait, elle est morte. En fait, tout à l'heure, j'ai dû lui faire des dégâts, mais en plusieurs étapes. Ça a pas dû compter en une seule fois. Très bizarre, ça. Bon. Alors. Je sais pas comment on va faire. On va essayer de flasher à mort. Mais non, putain. C'est dégueulasse, le jeu t'es dégueulasse. Non, mais ta race, putain, mais laissez-moi le temps de me... Oh, laissez-moi le temps de viser, putain, c'est pas possible ça. Putain, c'est emmerdant quoi. Mais non, mais elle s'en déconne, ça c'est dégueulasse. Hein. En plus, après mon perso il est figé pendant 30 secondes. Putain. Waouh. Ah, mais les petites, elles sont dégueulasses. Hein. Ah, mais les enchaînements. Mais c'est abusé quoi! Et en plus, tu peux pas leur faire beaucoup de dégâts parce qu'ils disparaissent vite! C'est ça le problème! Oh! Double kill! Allez, c'est reculé. Elle m'a poussé. Non, j'ai voulu me casser, putain. Ah non, y a pas moyen là, y a pas moyen. Ah, il est incroyable ce boss de difficulté. Ah,
Mais vous êtes combien? Mais vous êtes combien? Dernière vie. Surtout que j'ai pas de pierre miroir, donc c'est un peu... Voilà. On a pas de vie, quoi, en vrai. Enfin, on a pas une vie de secours. Elle a encore réussi à me choper, elle est toute seule, elle a réussi à me choper. Incroyable. Waouh. Eh. 10 herbes médicinales. 3 eaux de vie. Là, sur le boss, on a dû faire entre 100 et 200 000 points. Rien que sur le boss. Et encore, c'est vrai que j'ai vite perdu mes points. Ça va vite, hein. Enfin, j'ai vite perdu mon énergie là sur l'appareil photo. Bon, je suis étonné, il n'y a pas de poupée ici. Pas de carillon. Je me disais, un grand espace comme ça sans poupée, c'est bizarre. Bon, apparemment, la thèse de une poupée par pièce se vérifie, hein, mais c'est pas évident. À un moment donné, ils vont me feinter, ils vont en mettre deux dans une seule pièce, je vais pas trouver la deuxième. Bah ça c'était un boss hein, la vache. Et pour vous dire, hein, ils ont revu grandement à la baisse la difficulté dans le 5 parce que le 5... Ouais je l'avais fini en normal ou en difficile, je sais même plus. Enfin il était pas très difficile. La fin... Enfin il y a beaucoup de fantômes mais ils étaient pas... Enfin il n'y avait pas un 6 contre 1. Pas comme ça, en tout cas.
Bon, il est pas à la Wiimote non plus, donc bon, sur Wii U c'est un peu plus facile. En fait, la Wiimote, enfin la Wiimote, la Wii U, c'est excellent parce que c'est. Tu portais la mablette. Et. Ah! Type 0! Par contre, type 0, en général, t'en as un. Tu veux pas le claquer à les moments donnés 2. Voilà. Puissance très élevée. Ça, tu le gardes pour le boss final en général. Parce que le boss final, en général, c'est un sac à PV. Enfin, ça, sa KPV, c'est qu'il est extrêmement dangereux, mais pas forcément comme ce qu'on a vu, non? C'est un hit one shot. Donc, tu prends le moins de risques possible et tu essaies d'attendre le bon moment pour balancer le meilleur film, quoi. Yes. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter la vitesse? Le drain. Ça, c'est pas mal le drain. Ça me permettrait d'utiliser plus de. Mais la vitesse, là, ça va me servir parce que. Ah, j'ai des problèmes de vitesse, non? Enfin, on va repasser les premiers trucs à deux, là. Et la cadence aussi. Ah, le drain, c'est intéressant. C'est là qu'on l'emmenait. Ah, on doit être de l'autre côté là avec un. Cette personne de dos était mon père? Hein? Bon, ça c'est sûr et certain, la boutique vendra jamais de type 0. Mais on peut toujours espérer, hein, mais. Je ne pense pas. Ce qui m'embête, c'est que j'ai l'impression qu'on va loin avec le couloir alors que j'ai pas visité l'autre pièce. Oula. Je sens qu'on va affronter son père aussi. Tel ce sanctuaire a été aménagé avec des cordes sacrées tendues autour. Des gens priaient-ils à cet endroit? Cherchez la poupée d'abord. Que ça c'est.
Oh! Commence à me donner de l'artillerie lourde, hein. Attention. Vieux journal. Secrète, note secrète du sanctuaire. Fabrication du masque de Lutsuya est délicate. Le visage d'une personne décédée sans avoir éclos doit être découpé et utilisé. What? Ce visage doit être conservé au sanctuaire de la conscience une nuit, afin d'être purifié par la lune. Le masque n'est rien sans le visage. Le visage doit être pelé et la peau appliquée à l'intérieur du masque. La lumière de la lune détruira les impuretés. Dégueulasse! Ça devient de plus en plus dégueulasse cette histoire de masque. Tel est sculpté avec le motif de Rogetsu et abrite un masque féminin. La surface blanche du masque est craquelée comme de l'argile desséchée. C'est quoi faire avec ton visage maintenant? Créons-nous un masque! Pouvoir pas continuer par là. Mon père est toujours là-bas, à l'intérieur. Ah, parce que c'est là où il travaillait. Oh, pas un double bass, s'il vous plaît. Comme je suis un fou, j'insiste. Bon, est-ce qu'on va se faire choper avant de sortir? Ouais. Oh, j'avais surtout peur que qu'on enchaîne avec une deuxième phase de boss non prévue. Parce que là, comme j'ai pas suivi ce qu'il fallait faire, je suis en train de suivre mon père là. J'ai peut-être arrêté d'avancer parce que j'ai pas fait ce qu'il y avait avant. C'est chiant quand t'as deux chemins comme ça en même temps, tu sais pas lequel faut prendre. Je vais quand même vérifier hein, parce que. On est là pas pour niaiser, on est là pour le 100%. Direct. Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Un truc ici? Alors, soit c'est au sol, soit c'est sur la lampe. C'est dans une pièce annexe, c'est possible. Des fois, les objets ils sont difficiles à trouver. Hein. Quoi? Oh merde! Et bien sûr, elle m'attaque dans un couloir à la con. C'est une arnaque quoi cette lampe.
Ouais, donc on peut dépasser les millions de points, hein. Tout va bien. Hein. Je sais même pas. Ouais, si on est revenu au million de points. Pratiquement un million 1. Je vais avoir un high score à la fin. Ah, on descend. Ah, je sais pas c'est quoi qui est. Enfin, quel chemin faut prendre. C'est chiant. Ah ouais. Normal. Il y a quelque chose à prendre, mais j'arrive pas à voir ce que c'est. C'est du masque quoi. L'antichambre. L'antichambre est le lieu où les prêtresses se préparent à la cérémonie du passage en fusionnant avec leur masque. L'Utsuwa s'installe sur le socle, les canadés s'agenouillent autour. Les prêtresses s'unissent ensuite à leur masque et écoutent le chant lunaire joué depuis l'autel. Les prêtresses doivent ne faire qu'un avec leur masque, l'union est accomplie, leur corps doit enfin se rendre au majestueux sanctuaire souterrain. Elle doit être contente l'infirmière là qui a eu son histoire, qui disait je vais devenir l'Utsuwa, ça va être cool. C'est bien fait à voir hein. Une sorte de panneau rond se trouve sur l'autel. Ah. De l'air stagnant provient de derrière l'autel. D'accord. Une sorte de passage secret. Y'a pas un truc là-haut? J'ai vraiment pris du recul, mais j'arrive pas à l'avoir. C'est vraiment l'hôtel. Bah alors le jeu. Ça pour un fantôme nul? Ouais, c'est tombé. Par contre, y a-t-il une poupée? Alors, il est possible que comme il y a une deuxième partie derrière cachée, la poupée soit de l'autre côté. Donc c'est pas encore. Bon bah du coup, on avait rien à foutre ici. Je suis content. Content d'être venu. Attendez, je vais avancer que ça. Ouais. Si j'avance avec une main. Je veux voir monter. Merde. Est-ce qu'on peut boire du thé avec une Wiimote?
C'est là que vous admirez bien la charpente. Faut surtout que je me trouve une save, hein, parce que je voudrais dire que j'ai toujours passé. J'ai pas save depuis tout à l'heure. Hein. Et je suis pas très chaud pour refaire le combat de boss à 6 contre 1. Je pourrais gâcher mon thé, c'est vrai. Je vais touiller avec la Wiimote. J'ai touillé mon thé. Même s'il n'y a rien à touiller parce que je mets pas de sucre dedans. Mal. Trente cristaux bleus, c'est beaucoup, hein. Une forge. Oh, c'est une cuisine. Coco. Ah, j'aime me dire, est-ce que c'est pas sa baraque, ouais. Ça aurait pu être possible. Ah, phase 10.